Iliada Thalaïs. Il y a 13 ans, par un printemps de douleur et de désarroi, chargé de menaces et déjà de promesses, les armes se taisaient enfin sur la terre algérienne. Que votre visite s'accomplisse aujourd'hui par cet autre printemps de travail et de sérénité me paraît être la preuve que la vertu du temps et la sagesse des hommes peuvent se conjuguer pour puiser dans le passé le serment d'un avenir libéré de toute rancœur et de toute rancune. Quand la mémoire donne sa chance à l'imagination, la réflexion exorcise les ombres et la rencontre alors peut devenir un rendez-vous de l'histoire. J'ai la conviction que dans le monde où nous vivons, placés là où nous sommes et nous connaissant comme nous nous connaissons, les Français et les Algériens ont des choses à se dire et les Algériens et les Français ont des choses à faire ensemble. Cette visite n'est pas semblable à celle que l'on pourrait faire dans n'importe quel pays étranger. Parce qu'il y a des Français qui sont venus récemment travailler et coopérer, mais il y a aussi les représentants de ceux dont les familles sont venues jadis sur cette terre, et dont en survolant hier l'Algérie, je voyais partout la trace physique de leur travail. Il ne s'agissait pas de tourner une page, car il n'y a dans l'histoire humaine aucun livre dont les pages anciennes ne soient pas recouvertes d'écriture. Il s'agissait de commencer à en écrire une nouvelle.